Alors, 12 juillet. July, tu y es? Ouais, juillet. I don't want to put this up on Reddit just for it to be called a piece of fiction. I don't even know where to start. Bah, start par où tu veux, mon vieux. Excuse my lack of good storytelling skills. Oh, tu vas nous raconter une histoire? Raconte-nous une histoire, Père Castor. I guess I just start. Un bruit de voiture, j'ai l'impression. C'était en plein milieu de l'été. Mes parents étaient partis pour un week-end à cause du travail. Ce qui voulait dire que j'étais tout seul pour le week-end. Je devais dire que mon organisation du sommeil était un peu fucked up à ce moment-là. Et je me levais à l'heure que je voulais, etc. etc. Ok. Oh, alarme incendie. La sensibilité. Musique. Oh putain, c'est horrible le bruit. Arrêtez-moi ça. Ah, c'est le réveil. Oh putain de réveil. Mes parents sont pas là. Est-ce que tu veux venir? On peut. Oh, Mario Kart, let's go. Ok. Call Josh, donc ils vont appeler un poteau. Je peux pas promettre. May happen with Nat. Ok. Check his dem. Donc de bien checker avant d'ouvrir. Prends soin de toi, bien sûr, maman. And I may be back by Sunday. On sera peut-être de retour dimanche matin. Why are you being so paranoid? I'm 14. Ouais, bah justement. Probably gonna order some pizza, yes, putain. Et à 14 piges, il commande des pizzas. Get up. Space to get up. Allez, levons-nous. Mais la sensibilité me paraît. Ah non, ça va, ça va. C'est la sensibilité du lit. Par contre, on entend beaucoup de bruit de voiture. Ok, on va éviter d'activer ça. Hein. Bon, ce jeu n'a l'air pas du tout. Oh, qu'est-ce qu'on fait avec les... Space to get up, on s'assoit. Ok. Trois text messages. No need to order anything. I already made you lasagne this morning. Oh là là. Parfait, maman, qui me fait des lasagnes. En vrai, là, c'est le mème du mec qui sourit, mais en fait, derrière son masque, il pleure. Hein. Parce que là, il voulait commander des pizzas. Oula, je me fais propulser par la porte. Ne me demandez pas pourquoi, mais je suis allé tout droit à la chambre de mes parents. Ok. Lasagne. Let's go! Direct. Allez, oh là, direct au four. Qu'est-ce qu'il y a par contre? Attends, il y a des frites, deux paquets de frites et tout. Ok, c'est prêt. Eh ben, mangeons. J'y to throw. Oula! Mais du coup, il y a son pote, il doit pas arriver, son pote. I like watching TV while. Ok. En gros, il aime bien manger en regardant la télé. Pourquoi il y a 12 000 postes de radio dans cette maison? Est-ce qu'il y a une télécommande? Parce que ça me semble, somme toute, relativement logique. Bon, est-ce qu'on prend le plat? Mais il va pas manger dans le plat devant la télé quand même. Bah, attends, comment on allume ta télé? Putain. Ah, d'accord. Et t'appuies. Ok, là, est-ce que ça te va ou pas? Miam. Alors lui il mange dans le plat. Miam, miam. Super. J'étais. Ah putain. Il commençait à sentir sleepy quoi. Il commençait à avoir envie de dormir. Mason Oliver. Qu'est-ce qui me baragouine? We're gonna have to call it off, man. Something just came up, but you gotta come to Jessica's tomorrow. Bon, en gros, si je comprends bien, ils viennent pas. Et là, le mec a sonné, il vaut mieux pas ouvrir. Bon, tu sais quoi? Vas-y, on open, allez. Y'a personne, c'est un petit filou qui nous joue des tours. Vraiment pas drôle. Vraiment pas drôle, mon vieux. What? Bah, c'est assez spécial le truc qui regarde à la télé. Bah, écoutez. Bah, on a mangé, c'est bon. Je sais pas trop ce qu'on fait là. Ah non, je crois qu'il se sent fatigué, faut aller dormir. Absolument, it's good as you tomorrow. Ok, bon, en gros, ils viennent pas, donc on se voit. On se voit demain. I had homework. Ok, putain, faut aller faire les devoirs. Ok, on s'assoit. J'ai fini mes devoirs pour aujourd'hui en quelques heures. Deux messages de mom. Don't stay up too late, you kids. I shouldn't get her from.
Bon, en gros, il faut rester. Faut pas qu'il se couche trop tard parce que Madame Paula, ça va être la voisine ou je sais pas quoi qui doit se plaindre. Qu'est-ce qu'on fait? On va se coucher. Ok, on va se coucher. Ouh, quand tu te lèves à 1h16 pour aller boire, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Ça fait peur? Alors, c'est bizarre. Moi, ça fait pas peur parce que j'ai l'impression qu'il y a un mec qui commence un concert. On s'en sert, il n'y a aucun jeu qui me fera plus peur que Welcome to Kowloon. Hein. Donc là, j'y vais les doigts dans le nez, hein, je te dis. Bon, de toute façon, on va boire, on va dans la cuisine, hein, logique. Après, peut-être je vais retirer ce que je dis tout de suite. Hein. Alors, un petit verre d'eau. Faut que je prenne un verre, je peux ouvrir ou pas? Je peux rien ouvrir? Oh putain, ça m'a fait peur. Ah, ok. Right click to drink. Ah, Allez, c'est bon. Hop là, on balance ça comme ça. Hein? Ah d'accord, c'est quand ça se rebaisse. Ok, bon, go se recoucher. Ah, un message. Mom, vous at the door, you there. Oh, il y a un mec à la porte. Mais alors, en fait, attends, je comprends pas. Elle est dans la maison d'en face, ça veut dire. Et tu prends même pas la peine de venir me protéger. Bon, écoute, si c'est ça qui t'inquiète, je vais voir qui est à la porte. Ennemi. Ah non, ok, c'est la voisine qui a envoyé. He's creeping. Il observe depuis la fenêtre. On appelle les flics. Faut que vous fermiez tout. N'ouvrez pas la porte. Ok, on va pas ouvrir la porte alors. Mais je sais pas du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je peux me cacher sous le lit. Vas-y, on se cache sous le lit. Vas-y, je sors, j'en ai marre. En termes d'immersion, je te jure. Welcome to Kowloon était si mieux. Bon, Welcome to Kowloon était payant, tu vas me dire, mais bon. Ce n'était pas si cher pour ce que ça nous a procuré, censé. Oh putain, ça m'a fait peur. Alors là, c'est vraiment creepy pour le coup. Alors, mon vieux, tu t'es perdu, je crois. Maintenant, la question, c'est. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Bah, ils ont appelé les flics, normalement, il est juste à attendre. Debug mode nous signale. Tu vois là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Attends, on va voir. Ah, c'est dehors ici derrière. Ok, je sais pas ce qu'on est censé faire. J'en sais rien, hein. Je comprends rien à ce qu'il fait, ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut. Encore une fois, je sais pas, est-ce qu'il faut aller se cacher sous le lit qu'il faut attendre? Peut-être après sa proc cinématique, mais je comprends pas, tout à l'heure on est resté, ça l'a rien fait. On attend un peu, on attend 1 minute pour voir ce que ça fait. Puis sinon, voilà, hein. Laisse tomber, il se passe rien là. S'il faut que j'ouvre la porte, j'en sais rien. Parce que, à mon avis, je suis obligé, hein. À mon avis, je suis obligé. Il est toujours là. Ou alors, tu sais quoi, c'est ce que je vais faire. On va stalker le stalker. Ah merde, je peux pas. Oh les chiens, on peut pas. Il y a mur invisible. Tant pis, mais je sais pas, qu'est-ce que je fais, je lui ouvre. Non, je suis obligé pour la trame du jeu, non? Je sais pas. Oh, y a personne. Quelle bande de chats. Ah, les chats, putain. Je me suis dit, c'est bon. What? Ça a fermé le jeu, tu rigoles. Bah, je pense que c'est tout, hein.